On va voir les Kia ici. 8000 dollars. Bon, s'ils ont mis à 8000 dollars, c'est parce que et ce n'est pas les Ocean. Et tu viens, tu achètes ici 8000 dollars. Tu pars directement. J'adore aussi les Kia, sauf que j'aime pas les chaises pareilles parce qu'avec ça, il y a un peu l'odeur de ma cogne ici. Il y a un peu l'odeur, mais c'est pas fort. Je ne veux pas acheter cette voiture parce qu'il y a l'odeur de la. Vous comprenez, non? Les choses que les Américains boivent là. J'aime les panneaux, c'est bon. Regarde un peu les détails. Non, ça c'est plastique. C'est un peu comme du bois, mais ce n'est pas du bois, c'est du plastique. C'est très confort à l'intérieur. C'est un peu familial. J'aime pas, tu vois, parce que ça ici, quelqu'un peut aller dans leur boîte de nuit, il fait pipi ici, et ça va rester ici, tu vois. C'est difficile à enlever ça. Et c'est pour ça que j'aime pas les chaises comme ça, j'aime les chaises en cuir. Tu vois, parce que la personne peut vomir ici, et puis ça reste pour du bon, quoi. Et c'est difficile pour le faire quitter. L'épinay, je pense que l'épinay, c'est bon. Mais ce n'est pas bon, mais c'est passable. L'épinay, c'est passable. Il faut changer même après 4 mois. C'est qui a. J'ai dit. Non, c'est Kia Sport. Non, non, Sorento. Kia Sorento. C'est Kia Sorento. C'est une voiture pareille, c'est calme, hein? Tu as une voiture pareille, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. À l'aise quoi? À l'aise qui? Tu es à l'aise quoi? Je commence à adorer les Kia. Apparemment, je commence à aimer de voitures Kia. Mais c'est comme si ça a été accidenté. Laisse-moi un peu voir. Ça a été accidenté. Ça a été accidenté. Ça a été accidenté. Ça a été accidenté. Qui connaît l'affaire. Toi, tu vas pas comprendre. Ça a été accidenté devant ici. J'ai même pas besoin d'aller checker sur. Non, je n'ai même pas besoin d'aller checker l'historique. Je sais que ça a été accidenté. Mais ce n'est pas un problème. Ah, je trouve ça joli, hein. C'est une belle voiture, ça, Kia. Le jour que tu seras ici aux États-Unis, regarde la voiture que tu vas. Mais ça ici, il faut travailler pendant 3 mois pour acheter cette voiture ici. Si tu es seul, hein, tu vas seulement qui travaille pendant 3 mois. Tu travailles même au restaurant, même nettoyer les quoi? Nettoyer les assiettes au restaurant. Ici aux États-Unis, tu peux acheter cette voiture d'ici 3 mois. Et si tu travailles d'ici 2 mois, tu ne payes pas les loyers, tu peux acheter ça. Oh, salade. $11 000, je trouve ça cher. 11 000. Mais El Kabia, pourquoi les voitures ici sont chères? Les voitures sont chères parce que d'abord c'est les États-Unis. Parce que les voitures, pareil, quand ça part en Afrique, vous pouvez acheter ça. Ça, c'est un combi comme c'est. Les figures là, c'est différent. Hein? C'est comme camionnette devant.
C'est comme... Je n'ai jamais vu une voiture pareille. Est-ce que vous avez déjà vu une voiture pareille, Nissan comme ça là? C'est comme une camionnette. Mais quand vous partez derrière, c'est tout un combi. Je ne veux pas ouvrir parce que j'ai vu... Il y a trop de poussière ici à l'intérieur. Pas de poussière, il y a les ailes de... Des petits individus. Des oiseaux là-bas à l'intérieur. Je n'ai jamais vu un Nissan pareil. C'est quel genre de Nissan même? C'est Nissan... C'est seulement Nissan, il n'y a même pas la marque. C'est comme une camionnette combi, bis. Mais quand même, c'est... Le problème avec ça, c'est que ça va consommer. Le bien avec ce voiture des États... Le voiture américain, c'est... Ça ne s'abîme pas, tu vois. Le bien avec... Parce que les gens ne savent pas. Non, moi, je vais acheter une voiture seulement à Dubaï. Sauf que les voitures de Dubaï, ça s'abîme trop. Ça, ce sont les voitures qui ça a été conçu pour fonctionner ici en Amérique. Et leur pièce, c'est trop fort. Ça ne s'abîme pas comme ça là facilement. Ça ne s'abîme pas facilement comme ça. C'est difficile à s'abîmer. Tu vois la différence? Quand vous voyez cette voiture, c'est une belle voiture Honda Civic. Il y a... Tu vois ce qu'on fait? Nous sommes en train de changer la toiture. La toiture de la voiture, on change ça. Parce que... Cette voiture m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup gagné de l'argent avec cette voiture. Parce qu'avec cette voiture, je ne paye pas le... C'est une voiture semi... c'est hybrid. Avec cette voiture, je dépense comme 15 litres d'essence. 15 litres pour... Hey bro, how you doing? Good. Je dépense comme 15 litres pour une semaine. Chaque semaine, je dépense comme... 15 litres d'essence pour mettre dans cette voiture. Ça me consomme entre 15$ par semaine. Et les 15$ là, je laisse l'enfant à l'école, je voyage beaucoup de villes et ça ne consomme pas parce que cette voiture a une batterie. A une batterie ici. On appelle ça hybride. C'est une voiture qui a une batterie. Et je préfère marcher avec cette voiture parce que c'est économique. Comme nous, les gens qui aiment un peu gagner beaucoup d'argent, on préfère les voitures économiques qui n'est pas tout à fait qui ne dépense pas. Alors aujourd'hui, nous avons cassé la voiture. Moi et mon ami la mexicain, nous avons cassé la voiture. On a cassé la voiture. On a changé le tissu parce que le tissu ici, tellement qu'il fait très chaud, ça commençait à se détacher. Je pouvais même vous filmer même avant pour vous faire voir comment ça s'est détaché. Et nous avons enlevé, regardez comment j'ai détruit la voiture. Si ma femme voit ça, elle va... Oh, yo qui roki, puede passer à qui? Oh, à qui meilleur? À qui, pour qui, à qui? À mout espace, à qui? Et non, c'est... Qui roki, à qui puede ser más fácil? Oh, sinon, passe... Non, hay como para sacar este... Au Brian. Non, non. Est-ce non? C'est difficile pour faire sortir ça ici. Tant pour quoi qu'il. Il ne sait si vas. Tu vas conseiller. Sakalo. Chaka. Oh, déjà. Barre à l'eau ici. Difficile. Et normalement on devait aussi maintenant ce qu'on va faire ici, je vais pas vous montrer la plaque de la voiture. On va aussi mettre une caméra. On va aussi mettre une caméra ici. Nous avons acheté une caméra. Oh, salut. Donc ça ici, on va tout nettoyer ici. On va tout nettoyer. On va mettre une nouvelle. Je ne sais pas si ça s'est cassé. Hein? Non, ça ne s'est pas cassé. C'est comme si ça s'est cassé, mais ça ne s'est pas cassé. Et on va mettre une caméra. On va bobiner la voiture là. Yeah. On va mettre
Ça ici, vous voyez ici, c'est une caméra déjà. Ça ici, tu peux regarder YouTube, Netflix, tu peux regarder même le match, tout ça des Real Madrid ici. Donc, c'est tout automatisé. Alors, ce que je vais faire, je vais changer tout ici, tu vois. Je vais vraiment changer, modifier la voiture. Modifier. Les tissus, c'est bien. Vous voyez les tissus. C'est encore une tarte. Donc, tout est une tarte. Avec cette voiture, j'ai gagné beaucoup d'argent avec cette voiture parce que c'est très économique. Et quand j'ai quitté Texas pour aller jusqu'à New York, tu sais combien j'ai dépensé pour l'essence? J'ai dépensé 40 dollars quittant de Texas jusqu'à New York avec cette voiture. J'aime pas vendre cette voiture. Je ne veux pas non plus vendre cette voiture jusqu'à ce que cette voiture va se détruire soi-même. Il n'y a pas les check-in engine. Je ne peux jamais vendre cette voiture aussi. Donc, c'est une voiture que j'utilise souvent pour mes courses, mes petites courses. Et parce que s'il y a beaucoup de courses, je fais souvent avec cette voiture qui est économique. Parce qu'avec les jupes, c'est difficile. Donc, O'Brien, à qui t'es Brian, t'es un ami qui est YouTube. Et si tu as sabé, au qui tu as assez de qui, mais c'est car tu peux expliquer en rapidine. Tu peux parler un peu. No, no estamos escuchando. Estamos limpiando el área para este, para poder instalar la papela. Ah, ok. Él dice que nous sommes en train d'enlever des trucs ici pour installer un autre. Donc, on va enlever ça. On a déjà enlevé ça ici. Vous avez vu? Ça ici, on a enlevé ça. Et ça, c'était le tissu qui était là-bas. On a enlevé parce que c'est déjà devenu très sale et on pouvait même laver, mais comme ça s'est détaché déjà, on va lever pour mettre un autre. Et puis je vais mettre une caméra derrière cette voiture aussi. On va déjà installer la caméra. C'est ça la caméra, nous allons mettre la caméra. Sauf que le problème avec la caméra, moi je pensais qu'on pouvait prendre la caméra de là-bas jusqu'en haut et passer ici, aller comme ça. Non, sauf que lui il a dit la caméra part en bas. Ça va partir en bas, ça va entrer là-bas en bas, jusqu'à ce que ça va arriver ici et puis mettre la caméra ici. Bon, je mets la caméra parce que moi, je n'ai pas vraiment souci avec la caméra. Je conduis bien sans caméra. Sauf que comme ma femme va commencer à apprendre à conduire parce qu'elle ne conduit pas encore. Elle ne conduit pas. Elle va commencer maintenant à apprendre à conduire. Et je vais prendre cette voiture ici. Pour qu'elle commence à faire les exercices. Alors, pour que ça puisse pas lui causer des problèmes avec la caméra, avec le stationnement, c'est pour cela que je vais mettre la caméra dedans. Ça, c'est les car seats que nous utilisons souvent. Donc, je vais arranger cette voiture. Et puis, je pense vendre cette voiture. C'est une Honda Civic. C'est une voiture Honda Civic. Donc, je ne sais pas si je vais prendre cette voiture là-bas. Ça peut se voir. C'est une voiture Honda Civic. Très économique, cette voiture ici. Donc, avec ça, tu peux voyager tous les États-Unis. Ça m'a aidé à voyager tous les États-Unis avec cette voiture. Très économique, Honda Civic. Et cette voiture, on a fait quelque chose dans cette voiture. Je ne vais pas dire ça parce que je ne sais pas si c'est bon. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Avec cette voiture, si nous avons fait une chose dedans là-bas, que ça ne consomme pas de l'essence. Donc ça, une batterie là-bas derrière, ça fonctionne avec la batterie. Quand tu marches, quand le moteur se stoppe, il y a les moteurs. Les moteurs fonctionnent, parfois les moteurs stoppent, ça consomme plus de l'essence, maintenant ça consomme la batterie. Ça marche avec la batterie. Donc, et puis, à part la batterie, nous avons quelque chose, nous avons mis là-bas à l'intérieur, à ce que la batterie là, ça marche souvent quand la voiture est arrêtée. Mais quand la voiture roule même, ça peut stopper le moteur. La voiture est en train de rouler, mais ça roule avec une autre batterie adaptée qui fait rouler la voiture. C'est vraiment électrique cette voiture aussi. C'est une dame là, mexicaine, qui m'avait vendu cette voiture. Si tu vois, les Mexicains, ils ont des choses qu'ils font. C'est un peu bizarre, mais il faut seulement comprendre. Donc, nous sommes là, nous sommes en train de faire ça ici. Donc, voir comment ça va se passer. Pour vous, mes abonnés, aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour qu'on va travailler sur cette voiture aussi. Alors, on a oublié quelque chose.
Nous avons oublié d'acheter quelque chose. On va maintenant partir pour acheter quelque chose là qu'on a oublié d'acheter. Moi, je n'ai pas l'argent ici avec moi. C'est la première fois que je vends dans sa Jeep ici. Nous sommes là, nous partons acheter le matériel parce que la voiture là, il faut maintenant acheter le matériel. J'étais ici, je causais avec Brian. Il m'expliquait un peu sa voiture ici, comment il a acheté sa voiture, comment lui-même a arrangé cette voiture. Donc c'est pas une voiture, c'est une camionnette. Il m'expliquait comment il a acheté son camionnette, comment il a mis lui-même, il a changé les pièces, comment il a fait tout ça là, parce qu'ici d'autres personnes ne savent pas, ils achètent le camionnette cher. Lui, il a acheté les camionnettes ici moins cher et lui-même il a arrangé ça. Il a beaucoup bénéficié avec ces camionnettes ici. C'est vraiment très gros. Et un jour, je vais faire une vidéo. On va parler seulement sur ce camionnette ici. Il va nous expliquer comment il a fait pour modifier cette camionnette. Yo estoy hablando que un día vamos a hacer un video. Tú vas a explicar para mi público cómo tú compraste ese carro y cómo tú arreglarlo. Porque hay mucha gente que gasta muy plata a comprar carro nuevo. Só que hay ese país tiene muy oportunidad para comprar carro y tú puedes concertar y économiser masse plata pour un virage El Mexico. Yeah. Donc Brian, il est un peu timide sur les caméras, mais elle m'a dit on va faire une vidéo concernant comment il a acheté cette voiture ici et cette camionnette et comment il a fait. Là, nous sommes les gens qui habitent à Illinois. Je suis ceux qui connaissent cet endroit ici. Nous partons acheter le matériel pour arranger la voiture là, et on va voir comment on a arrangé la voiture. Donc c'est un peu ça. Aux États-Unis, quand vous marchez comme ça, vous voyez la forêt comme ça. C'est-à-dire, les États-Unis, ce n'est pas la forêt comme ça. Et que là où les gens habitent, c'est éloigné avec les grands macadam. Ce n'est pas tout près des macadam. Parce que les macadam, c'est éloigné avec les endroits que les gens habitent. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de arbres comme ça. Ok, on va partir là-bas. Ici va couper pour nous. Elle est en train de couper. Elle a déjà coupé. On a pris 3 mètres. Ça, c'est 3 mètres. On a pris. Et dès qu'elle finit ici, puis on va aller avec ça. Et ici, c'est aussi bien pour les chaises. Même les gens qui font. Alors, nous sommes là. Ici, on appelle ça Quintao. Quintao, comment on appelle ça? Véranda. Nous sommes là en train de faire. Le tissu ici, c'est un bon tissu, ça, le tissu ici. Excuse me. I'm not familiar with your menu. I will need something like rice and the beef. All plates coming to rice, soup, salad, and purebred. Okay. Chicken beef shawarma. I don't know what is it. Chicken beef shawarma. Chicken. Yeah. And beef. Okay. And no rice. No rice. No, I'm just asking. All plates come with rice, soup, okay. Salad, and pita bread. Okay, so I'll need this chicken beef shawarma. What soup? Lentil or like beef? I'll need beef. No, excuse me. I'll need
bean. White beans. Yeah. Salad? Yes. Something to drink? No salad. No salad? Excuse me, salad is it included in this price? Or? Yes. Okay. So salad? Ready. Yes. Okay. Something to drink? I would prefer to take a Sprite. Okay. That be all? That's all. Okay, yeah. Thank you. You're welcome. Bon là, je suis au restaurant. Hein. J'ai vraiment très faim. Et c'est un petit restaurant, mais la nourriture c'est de la qualité quoi. Je préfère venir ici que d'aller d'autres pas. Ici vraiment la nourriture de la qualité et tout est préparé ici sur place. Comme vous voyez, il y a un gars devant moi là-bas. Il y a une télévision. Ce petit restaurant là, tout c'est de la qualité. Et ceux-là. J'aime ça même, c'est même l'avant-goût. Avant-goût même. Hein. Tu vois le bien vers les États-Unis. Tu n'as même pas commencé à manger. Mais on t'amène déjà ça. Donc ça, c'est même avant-goût. La nourriture même que tu as commandée n'est pas encore arrivée. Mais ça, c'est l'avant-goût. Vos tomates ici, mettez ça de côté là-bas. Quittez-moi vos tomates là-haut. Tomates. Ça après. Moi, j'ai faim, toi, tu m'amènes les tomates. Ça, c'est la soupe. Hein. Une salade. Ça ici, la dame m'a amené ça c'est les piments, ça c'est l'alio. Ça je ne sais pas, je vais me permettre les piments ici. Ils ont les mauvaises techniques les gens ici. Hein. Ça c'est les piments. Ok. Regardez, c'est trop piquant. Ça c'est. Je ne sais pas si c'est quoi là. Maintenant la nourriture est arrivée, ça c'est des batailles de tigres. Ça c'est des batailles de tigres. La nourriture est arrivée. Les salades là c'est resté au félin. Hein. Regarde les salades là. J'ai pitié de salade. Ah salade. J'ai pitié de toi. Thank you.
Ah, je fais l'erreur, hein, que Dieu me pardonne un peu. Tu vois ce qui s'est passé ici? Je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai oublié, mais je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est pour cela, parfois, il faut quand tu parles de prix, il faut bien parler. Surtout quand tu parles de l'argent, il faut bien s'exprimer. Alors, ici, quand tu pars au restaurant, si la personne a été gentille avec toi, polie avec toi, il faut cadonner quelque chose. 10%, je ne sais pas, 10% de 20 dollars, c'est dans le 2 dollars comme ça là. 2 dollars, tu peux aussi donner 5 dollars, ça dépend de la façon que tu peux cadonner la personne. Tu peux aussi cadonner 5 dollars, ça dépend. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle m'a dit seulement le prix c'est 30 dollars, je voulais lui donner 3 dollars comme un cadeau. Quand elle m'a dit que c'était 30 dollars, 30, quand elle dit, je ne sais pas pourquoi elle a dit 30, c'était 20, je parle même l'espagnol. Elle m'a dit 30, 30 c'est 30 dollars. Je me suis dit 30 dollars. Bon, j'ai fait comme si je voulais pas dire que, oh non, mais regardez, qu'est-ce que, regardez les prix. Non, 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 moi j'aime pas les choses là de réclamer comme des petits enfants là. Ce sont les, non. Même si elle m'a menti, 7 dollars c'est quoi? 8 dollars c'est quoi? 10 dollars même c'est 10 dollars c'est quoi? Ça va quoi changer dans ma vie? J'ai mangé, bien mangé, leur nourriture était bonne et je me suis satisfait de leur nourriture et leur endroit c'était propre. Même si elle a ajouté 10 dollars, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça, ce sont les esprits de pauvreté là, déclarés. Puis tu vas voir un grand garçon là. Eh, madame, ici c'était. Tu avais dit 20, mais comment ici? Non, 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 non. J'aime pas ces histoires là. Non, 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 non. Il dit ok, j'ai pris les 100 dollars parce que j'avais pas le petit coupure. Parce que souvent, moi, je n'aime pas utiliser les petits coupures parce que ça me prend beaucoup de l'espace, tu vois. J'aime pas utiliser les petits coupures parce que je n'ai pas l'espace. J'aime utiliser les grands coupures, les grands coupures là. Et puis j'ai mis l'argent ici. Ça ici c'est pour l'histoire de ma femme que j'ai pris. J'utilise pour mettre mes choses là-bas parce qu'elle avait les porte-monnaies. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais c'est pour les femmes. Alors elle me dit terdi. Quand elle m'a dit terdi, moi j'ai dit ça c'est 30. Bon, à la place que je te cadonne l'argent, l'argent que tu as ajouté là, ça part directement seulement. Et quand je suis sorti, quand j'ai compté l'argent, je suis sorti, j'ai dit, oh non, elle m'a donné 80 dollars, j'ai donné 100 dollars, c'est qu'elle n'a pas enlevé,
Je me suis dit non, je dois retourner. C'est pour ça que je suis retourné, je lui ai donné $2 de 1-1-1. $2 comme cadeau. Ici, quand tu pars au restaurant, la nourriture c'est $20. Ça même c'est la nourriture le moins cher ici, parce que la nourriture ici c'est moins cher. D'autres restaurants de luxe, la même nourriture comme ça, je vais payer dans le $100 comme ça. Ici aux États-Unis, quand tu pars au restaurant, la nourriture c'est $20. Si la personne qui t'a servi, elle était polie, respectueuse avec toi, elle répondait à toutes tes questions, tout ça là, tu dois donner le pourboire de 10%, 15%, parfois 20%. Même si tu veux donner 50, c'est toi, c'est moi qui va. Il n'y a pas limite de données. Donc, c'est un peu ça l'expérience. C'était restaurant du quartier. Ce qu'on appelle les Malewa. Les restaurants du quartier. Et puis moi, je pars. Nous avons commis des erreurs là. Les tissus qu'on avait achetés, ça n'a pas collé. Ce n'est pas. On doit recommander un autre tissu à Amazon, tout ça là, pour faire le travail ici. Je suis en train de faire ça parce que je suis en train de voir comment je peux monter une entreprise qui va commencer à changer on appelle ça les headliners de voitures. Alors je vais contacter les nouveaux venus, les migrants, ils vont commencer à travailler dans mon entreprise. Et pour cela, j'ai d'abord commencé à faire ça moi-même avec mon ami, là pour voir comment on va faire. Et si ça s'est bien passé, je veux ouvrir une entreprise, je veux commencer maintenant à faire les services ici. Donc j'ai tenté, et puis si ça marche bien, je vais mettre ça en ligne. Et si quelqu'un veut les services, on peut aller faire pour lui. Ok, je vous laisse, à la prochaine. Bon, là maintenant nous avons acheté le bon matériel, hein. Ça a pris $60, hein. Ça fait comme une semaine pour arriver. Les gars m'avaient fait vraiment les dépenses inutiles. Là c'est le bon matériel, le matériel qu'il fallait mettre à la place de l'autre là. Mais là nous sommes en train de fixer ça, c'est lui qui fait. On va maintenant voir comment ça va devenir, hein, parce que là il est en train de mettre un peu le matériel là. Cette voiture aussi, ici à Illinois, pour changer la toiture de... Vraiment cher, hein, c'est vraiment cher. Bon, ça nous a pris vraiment plus ou moins 3 semaines comme ça. Parce que ça... On n'avait pas le matériel là. Et puis, on va voir avec vous comment ça va devenir, ok? On va voir comment ça va devenir. Bon. On va faire entrer ça là-bas. Bon, comme j'avais dit, nous avons fini. Vous voyez maintenant là comme ça est. C'est vraiment très sale parce que les saletés sont sorties. Regardez. Regardez comment c'est joli. Regardez. Waouh. Même si ce n'est pas 100%, ça manque quelque chose ici. Ça manque des choses ici. Ça manque. On va faire ça demain. Mais c'est joli. Maintenant, c'est propre. Ça ne tombe plus. Vous voyez. Ça reste seulement pour nettoyer un peu. Mais là, je pars pour nettoyer cette voiture. C'est très sale. Je pars pour nettoyer. Regardez comment c'est sale. Regardez comment c'est sale. Je pars nettoyer ça. Là, maintenant, je pars avec Brian. On part avec Brian maintenant pour nettoyer, parce que Brian lui sortait. Quand je voulais partir nettoyer, je lui ai vu là-bas. Il partait avec sa voiture pour nettoyer les habits. Parce qu'ici, pour nettoyer les habits, on paye. Je lui ai dit, ah non, ne paye pas, viens nettoyer chez moi là, mais c'est pas chez moi. Je ne paye pas pour nettoyer les habits. C'est gratuit. Maintenant, je vais nettoyer pour lui. Je pense qu'il est là-bas derrière. Je pense qu'il est derrière moi. Moi je vais faire ceci pour qu'il lui passe. Viens. Lui il est derrière moi, c'est lui. C'est une bonne chose vraiment
donner la green card à tous les élèves, à tous les étudiants qui viennent finir leurs études ici. Parce que la plupart des étudiants, quand ils viennent ici aux États-Unis, ils finissent pas leurs études. Ils prétendent travailler, chercher de l'argent, aider la famille à la place de finir les études. Maintenant, avec cet ordre exécutif, ça va aider plusieurs élèves qui viennent ici avec le visa F1. Je parle pas de la promesse de Donald Trump qui avait aussi dit que si tu as terminé tes études, tu auras une green card. Je pense que c'est un peu du captatio benevolentiae parce que vous comprenez ce que ça veut dire captatio benevolentiae. Donc, alors je trouve pas ça vraiment intéressant parce que déjà, Biden avait déjà promis qu'il va donner la possibilité aux gens qui ont étudié ici et terminé leurs études ici et ils auront la green card. C'est un peu différent avec du genre un peu Trump, ce qui disait n'importe qui vient ici et puis termine. Non, non. Pour Biden, c'est quelqu'un qui vit déjà ici. Il est illégal, il n'a pas les documents. Il a cherché les documents, il a étudié, il a cherché tout le moyen pour avoir les documents, il n'a pas trouvé les documents. Du moins, il a étudié, il a fait les études et il a fait déjà plus de 10 ans ici aux États-Unis.